bienvenue, ici Jolotte, aujourd'hui pour vous présenter une toute nouvelle trottinette. Donc aujourd'hui on va présenter la Varla Pegasus. Alors souvenez-vous, la dernière fois on avait présenté la Varla Eagle One. Donc je vais vous présenter un petit peu les caractéristiques de la trotte. Déjà, avant toute chose, merci vraiment à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. On a dépassé les 38 000 abonnés et franchement ça c'est super cool. Vraiment merci à tous, merci encore une fois à tous ceux qui mettent des pouces bleus sur les vidéos et tout. Ça me permet de mettre les vidéos en avant, donc vraiment ça c'est cool. Vous avez bien entendu un petit lien dans la description si la trottinette vous intéresse. C'est un lien affilié, toute transparence, je vous cache rien. Donc avant de prendre la route, on va faire un petit tour des spécifications techniques de la trottinette. J'ai pris quelques notes sur mon téléphone. Donc double moteur, 1 500 watts à l'arrière, 1 500 watts à l'avant, ce qui fait 1000 watts en tout, 1600 watts en pic, 800 watts en pic par moteur. Donc c'est du 500 watts pur sinusoïdal. Vitesse maximum au débridage 45 km/h. En réalité on va plus être aux alentours des 40 km/h, 40 43, j'ai fait une petite pointe à 43 tout à l'heure, mais voilà, vous allez peiner à atteindre les 45 sauf si vous êtes en descente avec le vent dans le dos. Effectivement, autonomie annoncée par le constructeur 45 km/h. En réalité vous allez être plus aux alentours des 40 km/h. Alors ça c'est en mode éco, c'est à dire en roulant tranquille. En roulant bien vous allez être aux alentours des 25-30 km/h. Frein à disque à l'avant et à l'arrière, pas de frein hydraulique pour celle-ci. Vous savez que les freins hydrauliques c'est obligatoire à partir d'une certaine vitesse. Pneus 8 pouces sur la trottinette, ils sont quand même relativement larges. Alors vraiment un truc qui est super sympa les mecs, et ça c'est vraiment un gros avantage par rapport aux pneus à chambre à air. Je sais qu'il y a un débat là-dessus, pneus pleins ou pneus à chambre à air. Bref, le gros avantage vraiment d'avoir des pneus solides, c'est qu'il n'y a pas de crevaison les mecs. Et ça, c'est juste magnifique. Parce que je peux vous garantir que vous faites une crevaison sur une trottinette. Par exemple, j'ai crevé sur ma Varla Eagle One il n'y a pas longtemps. On a voulu changer le pneu avec Alex. Alex qui est derrière la caméra d'ailleurs, il peut vous le dire, c'était compliqué les mecs, c'était très compliqué. Hein. D'ailleurs, petite note à Varla, évitez de serrer les vis à la machine. Ce serait super cool. Donc soit vous employez des gorilles qui serrent les vis dans vos locaux, soit vous les faites à la machine. Je pense qu'ils emploient des gorilles. Double suspension, avant et arrière. C'est les mêmes que sur la Varla Eagle One. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du off-road, vous allez pouvoir faire du urbain. Donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau du display, ça va être un écran LCD. Franchement, il est très lumineux. Même en plein jour et tout, ça pose aucun souci. En parlant de lumière, vous avez une petite lumière à l'avant qui se trouve juste ici. Alors par contre, c'est vraiment une lumière qui va... C'est pas une lumière qui va vous permettre de voir ce qui se passe devant vous, mais plus une lumière qui va vous permettre d'être vu en fait. C'est vraiment pas ouf au niveau de la lumière. Au niveau de l'accélération, on va être sur un type quad, donc c'est une accélération au pouce. Au niveau de la charge maximale, on va être sur 127 kg. 113 kg recommandé. Alors je sais pas pourquoi ils mettent charge maximale 127 kg et 113 kg recommandé. Voilà, pour moi si tu mets une charge maximale, c'est que c'est la charge maximale, c'est tout. T'en recommandes pas une. Bon bref. Par contre il va se calmer avec ses avions. c'est les aléas des vidéos les mecs. Poids de la trottinette, 29,9 kg. C'est très précis. Honnêtement, c'est ce que j'ai relevé sur la notice de la trottinette. Il m'aurait dit qu'elle pesait moins, je l'aurais pas cru. Voilà, donc je ne l'ai pas posé sur une balance, mais 29,9 kg, elle me paraît quand même bien lourde, mon cochon. Hein. Quand même, voilà. Alors, c'est pas non plus extrêmement lourd, hein. Vous allez pouvoir la prendre. Hein. Je vous dis pas que vous allez vous balader à bout de bras avec votre Varla Pegasus en sifflant dans le métro, comme ça, tu vois. Mais elle est quand même bien lourde. Alors pour les dimensions, on va être sur 120 cm de long, 126 cm en hauteur et 53 cm en largeur. Donc on a plutôt un beau deck pour poser le pied, hein. Franchement ça va, c'est plutôt propre. Même si il est un petit peu moins, il est un petit peu moins imposant que celui de la Varla Eagle One, mais ça se conduit très bien, hein. C'est très maniable. Pour la charge, on va être sur 12 heures de charge pour la charger au maximum. Alors toujours, je le répète, mais les trottinettes, lorsque vous faites votre petite balade, vous partez en vadrouille, ne rechargez jamais une trottinette ou n'importe quel appareil électrique en fait, je veux dire, que ce soit un vélo, une trottinette, un skateboard, ne le rechargez jamais à chaud. Attendez environ 20 à 30 minutes avant de le mettre en charge. Voilà, ça c'est histoire de pas bousiller les batteries toujours. Un petit tour au niveau des programmes. Alors ce que j'ai relevé de pertinent, on va dire, parce qu'on va pas toucher à tous les programmes, hein. Il y en a 20 dans la trottinette. Donc on a le programme 1 qui va nous permettre de régler la luminosité du display. Donc c'est à dire que vous allez avoir une luminosité de
1 à 3. Honnêtement, je l'ai laissé par défaut, il est sur 2 et il est déjà très lumineux. Le programme 2 va être pour l'unité kilométrique, si vous voulez passer en miles ou en kilomètres. Le programme 3, on va pas y toucher, mais ça va être pour le voltage de la batterie. Donc on va le laisser par défaut, c'est 48 volts. Le programme 4, plutôt intéressant si vous voulez partir en virée, ça c'est la mise en veille, c'est-à-dire le temps qu'il va falloir à votre trottinette pour s'éteindre automatiquement. Alors je l'ai laissé par défaut, mais ça vous pouvez y toucher. Honnêtement, je vous conseille de le monter un petit peu parce que ce qu'il y a, c'est qu'au bout de 5 minutes, par défaut, la trottinette va s'éteindre. Programme 5, ça va être le nombre de vitesses. Alors ça, honnêtement, j'ai pas touché les mecs et j'ai pas bien compris c'était quoi ce programme. Donc faut savoir que la trottinette a 3 vitesses, hein, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. Mais apparemment, vous pouvez en mettre plus pour, on va dire, échelonner au niveau de l'accélération, c'est-à-dire avoir une accélération plus ou moins progressive. D'ailleurs, on va en parler de l'accélération, mais l'accélération est très smooth sur cette trottinette. Donc encore une fois, si vous allez toucher dans les programmes, vous allez pouvoir mettre une accélération un peu plus nerveuse ou un peu plus smooth. Là, honnêtement, elle est vraiment très smooth, très linéaire. Donc c'est parfait, on va dire, pour les débutants. Alors programme 8, je sais que celui-ci va intéresser du monde, même si en général, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est-à-dire que ça va être sur le débridage. D'entrée de jeu, vous recevez la trotte, vous allez rouler à 25 km/h, c'est-à-dire qu'elle va être homologuée pour rouler chez nous en France. Mais après, voilà, si vous roulez sur des chemins privés, sur un circuit, vous pouvez la débrider pour qu'elle aille jusqu'à 45 km/h. Ça, c'est à vous de juger si vous voulez y toucher ou pas. Et j'ai relevé également le programme 9 qui va être le kick to start, c'est-à-dire soit vous allez pouvoir accélérer avec un coup de pied au démarrage de la trottinette, soit vous allez pouvoir accélérer sans coup de pied au démarrage de la trottinette. Ça, encore une fois, c'est vous qui voyez. Je pense que pour les débutants, c'est toujours mieux de donner peut-être un petit coup de pied au démarrage histoire de lancer la trottinette. Voilà. À mon avis, je sais pas, c'est d'un point de vue personnel, je pense que tu te sentirais plus sécure comme ça, ou peut-être que je raconte des conneries là. On va faire quand même un petit tour de l'unboxing. Donc vous avez la trottinette, vous avez juste le guidon à monter à la sortie du carton. Donc pas grand chose, hein, pas besoin de faire 3 heures de mécanique, vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple. Hein. Vous avez à l'intérieur un jeu de plaquettes de rechange, que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière. Vous avez un outil qui est fourni avec, et un cadenas type chaîne, que je vous déconseille d'utiliser pour tous ces engins là. Je veux dire, tu mets ta trottinette sur un porte-vélo avec ce style de cadenas, moi j'arrive avec une vieille tenaille de chez Wish, je la coupe, j'embarque la trottinette, tu vois. Voilà, donc ça c'est malheureux les mecs, mais voilà, au niveau sécurité, je vous déconseille tous ces genres de cadenas. Rien ne vaut un bon vieux gros cadenas en U. Donc voilà, ça c'est pour le côté sécurité vol. Donc pour le côté sécurité tout court, bien sûr, n'oubliez pas le casque, les protections, tout ce qui va avec, hein, ça c'est important. Et donc oui, effectivement, mon caméraman me notifie à l'instant de vous dire qu'il n'y a pas de clé sur la trottinette. Ça c'est bien vu parce que j'allais oublier d'en parler. Il n'y a pas de clé les mecs. Donc niveau sonnette, on notera l'absence de klaxon électronique. Voilà, c'est un petit klaxon mécanique, manuel. Bon, c'est un petit peu dommage de se retrouver avec une trottinette d'une telle qualité et avec un petit klaxon de merde, hein, si je puis dire ainsi. C'est comme si tu mettais une cerise Eco Plus sur un gâteau de Pierre Hermé. C'est un petit peu dommage, quoi, mais bon, voilà. Bon, après, ce n'est qu'un détail. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des spécifications techniques de la trotte. Et maintenant, on va aller faire un petit tour tout court. Et ça, ça va être cool. Allez, c'est parti, let's go. Donc on commence avec un petit test off-road et franchement c'est très doux. Donc vous voyez que là dans les chemins je roule à 12 km/h et c'est très smooth, c'est très léger. Donc bien sûr on peut monter, hein, vitesse 2. Ouh, alors par contre attention, ça glisse un petit peu dans les chemins. Sinon les suspensions ils font vachement bien le taf. Alors au niveau des roues, c'est vrai qu'on a des roues solides. Et honnêtement avec les suspensions, eh ben, tu le sens pas les mecs. Honnêtement je suis plus pour les roues chambraires au niveau du confort. Mais quand tu as une trottinette qui est bien suspendue et tout, tu sens pas que tu as des roues pleines. C'est vraiment très confort. Et le plus gros avantage par rapport à des roues chambraires les mecs, c'est que vous avez pas de crevaison. Et ça c'est cool. Donc on va faire un petit test avec les deux moteurs. Vitesse 1. Donc voyez, 12 km/h. Vitesse 2 avec deux moteurs, 20 km/h. Vitesse 3 avec les deux moteurs. On va se faire une petite pointe. Donc là bien sûr, la batterie n'est pas pleine, hein, mais je peux vous assurer que j'ai pris les 42 km/h sans problème. Là je suis déjà à 37, 38. Voilà, donc je prends les 40 km/h.
ça va, ça envoie, mais pas non plus, voilà, c'est pas non plus ultra violent, hein. On n'est pas sur, par contre, il y a des bons freins, il y a des très bons freins, attention, hein, il n'y a pas de BS, c'est pas hydraulique, c'est des freins à disque. Hein. Donc alors là, bien entendu, la trottinette n'est pas pleine, hein. Un truc qui me chiffonne un petit peu quand même, vite fait, c'est au niveau de la batterie, c'est au niveau de l'usure de la batterie, c'est-à-dire que ça va être une batterie qui va s'user sur le moment. Vous allez voir les barres qui vont descendre selon l'effort que la trottinette fait. Personnellement, je préfère les trottinettes ou les vélos qui vous disent, voilà, il reste 30%, point. Je vais vous montrer ce que ça donne avec un moteur. Je sais pas si vous voyez bien le display à l'écran, mais de toute façon, je vous le montrerai en plan. Donc en fait, quand il y a un moteur, il y a juste marqué speed sur la trottinette. Et lorsque je mets les deux moteurs, en restant appuyé sur le bouton du bas, il y a marqué speed max. Voilà, alors la différence, bon, la différence se fait carrément ressentir, hein, quand même, hein, mais c'est pas non plus ultra violent. Je vous assure que c'est super smooth au niveau de l'accélération. Je vais mettre un moteur pour voir un petit peu la différence. Donc en vitesse 1 avec un moteur, bah, on va être à 11-12 km/h en fait, hein, pareil qu'avec les deux moteurs. Ça va surtout se jouer au niveau de l'accélération si vous passez d'un moteur à deux moteurs. Donc bien entendu, j'ai débridé la trottinette pour le test vidéo, hein. Donc au niveau du display, vous allez retrouver bien entendu le nombre de kilomètres que vous avez depuis que vous avez la trottinette. Vous allez retrouver le nombre de kilomètres depuis que vous l'avez allumé, c'est-à-dire le nombre de kilomètres de votre voyage en fait. Vous allez retrouver le voltage de la batterie, le timer, combien de temps vous avez allumé la trottinette depuis le début de votre voyage. Je me fais attaquer par un chien, les mecs. Non, ça va, il est calé derrière le grillage, tranquille. Alors au niveau stabilité, on est très stable. L'épaisseur des roues joue beaucoup sur la stabilité, hein. On est vraiment très stable. Alors par contre, personnellement, je trouve que ça guidonne un petit peu plus qu'une trottinette 10 pouces. Vous allez me dire 8 pouces, 10 pouces, il n'y a que 2 pouces d'écart. Et pourtant, je vous assure que vous le ressentez au niveau stabilité. Alors c'est très stable, hein. Il n'y a aucun souci, c'est ultra stable. C'est juste que vous allez avoir tendance, je dirais pour un débutant, vous allez plus avoir tendance à guidonner avec une trottinette 8 pouces qu'avec une trottinette 10 pouces. Là, par exemple, bon, je fais exprès de partir comme ça, mais j'aime bien faire exprès de faire guidonner les trottinettes, histoire de voir un petit peu comment elles se comportent. Voilà. Et c'est vrai que elle va guidonner un petit peu plus qu'une trottinette 10 pouces. Alors c'est pareil, je veux dire, un débutant trottinette, il va se dire, oui, celle-ci, elle est plus petite, elle va être plus maniable, elle va être plus stable. Je vous assure que vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le flou total. Par exemple, regardez la barre là qui me dépasse, là, celle-là, elle est en 10 pouces. Et ben, je vous assure que c'est plus stable qu'une trottinette 8 pouces. Voilà, alors attention, hein, celle-ci, encore une fois, je le répète, elle est vraiment ultra stable. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vais passer en deux moteurs. Voilà, je vous montre un petit peu la patate que ça a. Ah, ça a une bonne patate, hein, quand même, hein, ça envoie. Hein. Bon là, bien sûr, la trottinette n'est pas au max. Regardez, il fait le malin à côté, forcément. Il est en train de me mettre une pilule avec la Eagle One. Donc voilà, on a une bonne accélération, franchement. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas un foudre de guerre. C'est pas ultra violent. Alors niveau maniabilité, vous voyez que franchement, ça se conduit très bien. C'est, regardez, même si je passe avec un moteur, les mecs, avec un moteur, c'est vraiment tranquille, mais pour de la balade. On va se faire une petite session off-road. Et franchement, bah, ça se comporte vraiment très bien. Hein. Donc là, le sol, il est un petit peu humide quand même. Faut faire attention, Alex. Hein. Ça peut glisser. Là, en plus, on arrive dans les marais et tout. On va bien dégueulasser les trottinettes. Voilà. Là, on va vraiment partir en off-road. Chemin terre, un petit peu gravillonneux. Et franchement, bah, tu sens rien. Même avec les pneus pleins, tu sens rien, quoi. Parce que c'est devant, accélère un peu, hein, yo cochon. Oh, pas trop, cochon, pas trop. Pas trop, il me fume, il me met une pilule, ce cochon. Putain. Petit pont d'Indiana Jones, là, je le kiffe, celui-là, mon gars. Ça se prend bien. Oh, il y a une fusée. Oh, il y a une fusée qui passe. Oh, il y a une fusée qui passe, mon gars. T'inquiète, j'arrive. Regarde, regarde la fusée, là. Regarde la fusée, mon gars. Non, ça se conduit super bien, franchement, les mecs. Bon, c'est vrai que c'est pas ultra violent, hein, je vous le répète, c'est pas un foudre de guerre, mais de toute façon, tant que j'aurai pas eu entre les mains une trottinette plus puissante que la Varla Eagle One qui est devant moi, toutes les trottes que je vais tester, je vais dire ouais, c'est pas violent, c'est pas violent. Alors qu'en vrai, c'est vrai que pour quelqu'un qui débute la trottinette, bah c'est largement suffisant, quoi, tu vois. Voilà, on est sur un truc qui est large suffisant. C'est juste moi, je suis un goulard, quoi, je veux toujours un peu plus de puissance. Mais bon. Je double. Bon, on arrive à la conclusion un petit peu brutalement puisqu'il n'y avait plus de batterie dans la GoPro. En fait, elle a lâché sur la route. Voilà, on a roulé, roulé. Et puis au bout d'un moment,
quick, plus de batterie. Donc on arrive à la conclusion, on a fait 15 km avec la trottinette. 15 km, j'ai la moitié de la batterie. Alors attention, j'ai bien bourriné quand même, hein. Moi je roule pas en mode éco, hein, je roule en mode turbo. Et donc on a fait beaucoup de chemin avec Alex, on a fait pas mal de off-road, donc forcément bon bah ça use un petit peu plus la batterie, hein, ça comme vous le savez. On a fait un petit peu du mix, hein, au final, hein. On a fait du goudron, de l'asphalte, on a fait du terrain, de l'herbe, de la terre. Bref, petite conclusion les mecs, bah, la trottinette, comme je vous l'ai dit, bah, elle est bien franchement, hein, nickel. Alors c'est pas un foudre de guerre, voilà, on n'est pas sur la Varla Eagle One, bien qu'on peut programmer la Eagle One pour qu'elle soit plus smooth, plus tranquille et tout, hein, comme celle-ci. Et donc celle-ci, c'est vrai qu'au niveau accélération, elle n'est pas ouf. On n'est pas encore sur la Eagle One. De toute façon, voilà, toutes les trottes que je vais tester, les mecs, tant qu'il n'y en a pas une plus puissante que la Eagle One, je vais dire que c'est pas très puissant. Voilà, moi, il me faudra un truc qui m'envoie sur Mars la prochaine pour que je puisse dire « Ah ouais, là, ça envoie !» Donc voilà, les mecs. Donc, je vous rappelle, un petit lien dans la description si vous voulez soutenir la chaîne. Si la trottinette vous intéresse, vous pouvez passer par le petit lien. Alors, petit truc qui est cool quand même, et je crois que j'en ai pas parlé, c'est au niveau du deck. Ça, je kiffe. Il est en caoutchouc, les mecs. Voilà, donc ça se nettoie très bien. C'est beaucoup mieux qu'un grip, je trouve, qui, d'où son nom, va bien gripper, mais va aussi bien gripper toutes les saletés, quoi. Que ce soit la terre, tout ça, ça va tout accrocher. Donc voilà, les gars, les filles, si ce petit test vous a plu, n'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous le savez, ça soutient la chaîne, ça permet de mettre les vidéos en avant. Et puis, je vous remercie encore, on a dépassé les 38 000 abonnés sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à vous qui rejoignez, nouveau ou nouvelle. Et on se dit rendez-vous pour de prochaines vidéos, de prochains tests trottinettes. Vous le savez, les beaux jours, ils vont arriver. On va en faire de plus en plus sur la chaîne, comme tous les ans. Dès que ça commence à faire beau, on sort un petit peu, on teste des nouvelles trottes, des nouveaux vélos. Sur ce, je vous dis à bientôt et bye bye tout le monde. Ciao. We'll be right back.